fait, je veux remercier, je veux terminer avec la dernière personne. C'est monsieur Gessampi de Yann Sokro. Vous savez, monsieur Gessampi, il se bat tellement à Yann Sokro que moi je voulais me le prendre. Mais il n'a pas pu. Avec les difficultés, il était obligé de migrer sur Abidjan. Et tenez-vous bien, deux fois il a reçu des messages de réunion. Il est parti à Ouaké pour tenir les réunions. Je lui ai dit, Siaka, il faut rester à Abidjan parce que dépenser pour venir tenir des réunions, il faut chercher un comité à Abidjan et puis travailler pour la Sainte-Barba. Donc c'est ce monsieur que j'ai souhaité que le PCA déporte pour tous ses efforts pour la Sainte-Barba. Merci.
Il sera bientôt 11h30 sous notre conducteur. Le PCR est venu prendre la parole à 12h30. On a donc pu gagner quelques minutes. On va donc permettre aux différents groupes présents, avant donc de passer la parole au PCR pour son discours, pour se produire. On commencera donc par le groupe venu de Mounassi. On sait qu'à l'origine de la création de la secte de Moussa, il y avait des Daoué, ce qu'on appelle les bénévoles. Alors aujourd'hui, bénévoles, ils sont venus soutenir la secte de Moussa, pour parler, n'est-ce pas, du départ au niveau de la secte de Moussa, puisqu'à l'origine, il y avait des bénévoles à la création de ce corps. C'est un groupe rendu par le président Sessou, à côté de Moussa. Messieurs,
une précision mentale. Je vous parlais tantôt de l'homme qui était à la création de la scène de Mozart. Aussi, il faudra préciser que la grande dame qui a donné naissance à notre PCA et le président Francis Auguin est également béninoise. Alors, le groupe Le Mur Chaud va se produire en 2-3 minutes et ensuite nous allons continuer cette cérémonie. Le Mur Chaud. Donc, c'est pour te dire. En avant, les mimos.
Je voudrais saluer, avant de laisser la parole, au professeur Maître Jean, je voudrais saluer la présence de Assad Mouboza, femme propre, section cité, même rose. Ils sont là. Assad Mouboza, femme propre, cité, même rose. Donc voilà, voilà. Salut les gars, bienvenue. Monsieur le président du conseil d'administration de l'ANCE, j'ai vu dans un journal, avant cette assemblée générale, le grand oral de Maître Jean Monnier. Le grand oral, vous avez bien entendu, et le, je disais à début de cette assemblée générale, le moment tant attendu est arrivé. C'est lui seul que nous sommes venus entendre, c'est lui seul que nous voulons écouter. Alors, monsieur le président, vous avez la parole. Deuxième président de la Sécurité Mosa était Togolais.
eu la chance de naître dans le cœur de la ville. Ma mère était taouienne, béninoise, et mon père était le bosson, Hassan. J'ai en moi deux racines. Ce sont des racines profondes. Quand je dis en moi, en tant que fondateur, je ne suis pas sûr. La raison pour laquelle j'ai toujours défendu le fait que la secte ne soit pas la secte d'habitants, mais la secte Miouna. La secte Miouna a plusieurs racines. Quand nous allons au Bénin, nous sommes chez nous. Quand nous allons au Burkina, nous sommes chez nous. Quand nous allons au Sénégal, nous sommes chez nous. Quand nous allons au Niger, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous partout. Nous sommes chez nous partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes chez nous quand on part à Dagua. Nous sommes chez nous quand on part à Fierté à Congo. Nous sommes chez nous quand on part à Bangoukou, à Bangou, à Libreco. Nous sommes chez nous, évidemment, quand on part à Bassam, à Boisseau, à Beauvoir, quand on part à Sassandra, la Seine, pour tout le territoire national et toute la sous-région. Oui, parfait. La secte Mimosa, elle est forte parce qu'elle a toutes ses racines. Vous coupez une racine, il y a une autre qui rebondit. Vous voulez couper celle-là, il y a une autre qui rebondit. La secte Mimosa est éternelle. C'est vrai que je préside. Notre association depuis maintenant, personnellement, depuis 30 ans, 19 novembre 1989, le titre de Wallon-Tochtan en 30 ans. Mais évidemment, c'est une longue vie. Mais cette vie-là ne sera jamais plus longue que la vie de la secte. La vie de la secte Mimosa est en train de se préparer. Avec de nouveaux actionnaires, des jeunes, qui sont là, la nouvelle génération. Des jeunes aussi qui sont aussi dans la salle. Des anciens qui seront toujours là pour apporter leur concours. Et un beau témoignage aujourd'hui est donné par l'Africa du Français qui vous fournit à vous, les jeunes. Une chance. Un cri que la secte a connu. Plutôt de guerre. Et là, et vous me reprenez la chanson, et vous me reprenez le cri de guerre. Voilà. C'est ça. Vous pouvez l'accompagner, certains, si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez l'accompagner. Allez-y, certains, vous pouvez accompagner. Gloire aux anciens. Ce sont eux qui ont fait naître la naissance. Et debout,
nous avions fixé trois axes d'action dans un programme. Ce programme allait de 2016 à 2021. Où nous devions améliorer la gouvernance du peuple, renforcer son patrimoine et obtenir des résultats sur place. Tout à l'heure, j'ai entendu les questions posées au président de la Fédération de football, le président Bataille, Odet, Badi, qui a brillamment répondu à toutes les questions. Mais on lui pose beaucoup de questions. Il a dit, il vous a exhorté pour, à soutenir le club. Mais sur ce domaine-là, si vous pensez, comme monsieur, parce que je ne vous ai pas senti ça, comment ? Gabo ? Monsieur Bruno, à la fin de l'intervention de Bagny, je vous ai regardé, vous avez dit non, je ne suis pas d'accord. Hein ? Vous étiez là en 2016. Nous avions passé un pacte. Nous avions passé un pacte. Un pacte. Bon. Nous irons, quelqu'un a dit tout à l'heure aussi, nous renouvelons le président avait promis en 2021 de ramener la Coupe d'Afrique. Et puis on change d'équipe tout le temps. Mais en 2016, ici, non, c'était sous le chapitre à ce pays. Nous avions passé un pacte. Moi et mon conseil d'administration, nous faisons le maximum, mais vous ne pouvez pas nous demander d'aller gagner la Coupe d'Afrique avec des tribunes vides. Merci. Le public qui nous a conduit à la première finale en 95 et qui nous a maintenu la coupe ici en 98, nous ne gagnerons pas la coupe d'Afrique. Vous voulez me retirer le mandat? Allez-y, faites-le. Il peut y avoir des élections anticipées tout de suite. Derrière nous,
Nous sommes irrésistibles. Rappelez-vous cet entraîneur d'une équipe adverse en Coupe d'Afrique. Ils sont venus ici. Ils ont pris une raclée au stade de Brion. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ce stade-là, il est terrible. Oh non, je donne mes conseils, j'entends rien. Mais je crois qu'on n'entend rien. Vous avez déjà vu les travées du stade de Brion trembler? Quand les actionnaires battaient du pied, quand les actionnaires faisaient la hola, nous commencions d'un côté notre tribune à nous, la tribune de notre mouvement au mort, et elle traversait, cette hola traversait tout le stade. Vous êtes capable aujourd'hui de faire ça? Nos joueurs se lèvent le matin, au certain, à 4h, 5h. Le temps que le bus fasse le tour. Ils arrivent au terrain, au moment, en entraînement, à 5 minutes. Ils s'entraînent. Ils ont envie de tout donner. Toute la semaine, ils ont envie de gagner, évidemment. Il y a des primes à gagner. C'est leur fils, là. Et ils se retrouvent dimanche sur le terrain, avec des autres, d'autres adversaires qui ont faim, qui leur ont envie parce que eux jouent à la fin. Et les autres, ils sont laissés pour compte dans leur vie respective. Ils ont envie de venir jouer à la fête. Ils sont affamés. Mais comment voulez-vous que, manquant de cette force que les actionnaires donnent à nos joueurs, comment voulez-vous que vous atteigniez des résultats respectifs? Voulez-vous que demain, nous continuions en train de discuter? On ne pourra pas. La finale de la Coupe d'Afrique. Voyez aujourd'hui comment ça se passe, la finale de la Coupe d'Afrique. Et en plus, avec une fédération qui ne comprend absolument rien. Aux enjeux. Tout ce qui les fait flétiller, c'est l'équipe nationale. Parce que là, il y a l'argent public qui arrive. Il se gère, il n'y a pas de compte à rendre. Personne ne rend des comptes. Et on leur pardonne de tout. Et on leur pardonne. Évidemment, l'orgueil de Mimosa, poussé, fouetté par les autres clubs, les a conduits à maintenir le quota de clubs en Coupe d'Afrique. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, nous avons besoin de souffler. Vous avez parlé tout à l'heure et posé la question au Tabac. Mais les blessés, il y a plein de blessés. Il y en a qui ont dit on n'a jamais eu autant de blessés. Mais parce que rappelez-vous, à l'époque, il y avait moins de compétition que maintenant. Aujourd'hui, l'équipe nationale est engagée dans toutes sortes de compétitions toute l'année. Les joueurs jouent, les clubs jouent des compétitions qui sont de plus en plus relevées. À l'époque, quand le stade d'Abidjan gagne la Coupe d'Afrique, il y avait peut-être une dizaine de clubs qui avaient participé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps avant d'arriver à la finale. Et il faut beaucoup de moyens. Ces moyens-là, on les a pris. Dans les années 90, pour ceux qui le savent, les anciens, quand je suis arrivé, évidemment, je suis arrivé les mains, les poches pleines. Je suis arrivé, jeune avocat. En face de moi, il y avait des dinosaures, des mécènes qui avaient une fortune. Le 19 novembre, lors de l'Assemblée générale à l'hôtel Ivan, au moment où nous étions en train de réfléchir à notre avenir, notre club, notre adversaire, ce n'est plus un rival, c'était un rival, ce n'est plus un rival. À ce moment-là, j'étais en train de prendre l'argent
aller faire un stage au Brésil. Vous voyez, nous étions dans un moment, il fallait relever ce dossier-là. À ce moment, nous avons pensé qu'en réalité, nous étions des commerçants. La SEC du Mozart est l'association sportive des employés du commerce. L'employé de commerce, quand il monte son commerce, il part sur des données sportives. Je ne suis pas médecin, mais j'ai le public, la force, le public, les actionnaires avec moi. Ces gens ont juste besoin de la confiance. Comment renflouer les tests du club? Nous avons confectionné des t-shirts. On nous disait, ils vendent des t-shirts, ils vendent des tricots. Comment voulez-vous diriger un club en vendant des t-shirts, en vendant des tricots? Ils se sont rendus compte que, petit à petit, quand je sortais un t-shirt, un modèle de t-shirt, une semaine, à la fin de la semaine d'après, j'en vendais au moins 10 000. Récupérer des joueurs, et non pas des petits joueurs, mais de grands joueurs, faire venir un jeune entraîneur inconnu, et qui avait cette rage, et le produit des ventes de produits dérivés de la scène nous a permis de gérer le club, sans oublier nos partenaires. J'ai pas d'argent, il faut convaincre des partenaires. Comment les convaincre? En leur disant que la SEC est porteur, que le public est là, et le public, il le voit. Mais quand aujourd'hui, je parle à un partenaire et je lui dis, nous avons 15 millions de supporters de la SEC, c'est ce que vous pensez tous, et qui va au stade, il me dit, mais que le président Pierre Rocher, tout le monde m'appelle Rocher, ça va? Il y en a qui m'appellent Roger Maurice, il y en a qui m'appellent Roger Désiré Maurice, mais c'est Roger Maurice Désiré. Roger, tu nous as dit que vous étiez nombreux, il n'y a personne. Le stade est vide. Quelquefois, vous regardez les tribunes, au monument aux morts, il n'y a deux personnes. Côté Assemblée nationale, bon, il y a des jeunes qui viennent d'agréer, ils sont une dizaine là. En face, il y a quelques jeunes qui essayent et le groupe d'animation qui tape le tap-tap tous les 90 minutes, la durée des 90 minutes, et puis c'est tout. Et puis nous sommes nous là, les dirigeants, à la tribune. Et nous attendons que le match se termine. Les joueurs, quand ils veulent jubiler, ne peuvent pas jubiler. Il lève les bras, il marque un beau coup, il n'y a personne qui applaudit. Vous voyez, monsieur, Bruno. Baki l'a dit tout à l'heure, je s'en vais avec vous. Sans vous, on est rien. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de vous. Certains se posent la question. Le directeur général, le noyau, il vous a fait un rapport financier. Mais dis donc, à la SEC, il y a plein d'argent. Et ces gens-là, ils sont là. Ils nous parlent des milliards. Et puis ils pleurent. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Honnêtement, pas. Quelqu'un va me dire ici dans la tête que les deux enfants ne pensent pas à ça. En me regardant du coin de l'œil, en disant que ce président-là, il raconte sa vie. Il se tape notre pognon. Et puis vient l'Assemblée générale nous dire. Ah, on a fait ça, on va prendre des millions, mais on n'a pas d'argent, on a besoin de vous, etc. Vous allez me dire que c'est faux.
C'est humain, ça. C'est humain. Quand on ne connaît pas la réalité, on s'imagine. Mais la réalité, elle est tout autre. La secte n'est pas pauvre aujourd'hui. Mais la secte n'est pas riche. La secte n'est pas pauvre. Pourquoi? Mais parce que quand vous allez à Saint-Denis, ce n'est pas la propriété de prêtre Roger Bonien. Comme le stade que le FC San Pedro est en train de faire pas loin de la VP, ça n'appartient pas à FC San Pedro. Ça appartient à la société. Ce robot là, c'est les routes tunisiennes. Le club CFC San Pedro est une coquille vide. Ceux qui dirigent le FC San Pedro, ce sont les cadres. Le jour où ils partent, peut-être qu'ils vont me proposer de racheter leurs installations. Mais pourquoi? Parce que les installations-là n'appartiennent pas à l'association FC San Pedro, qui n'a rien, zéro. Aucune association ici, en dehors de la secte, a un patrimoine. Et Roger Bonien et les membres de cette administration qui sont aujourd'hui avec lui, il peut partir. Le patrimoine-là, il restera à l'association. Il y a 2 ans, étant donné que nous étions criblés de dettes au niveau du banc, j'ai obtenu votre accord pour régler tous les problèmes des banques. Et pour ça, sur les 8 hectares là-bas, j'ai vendu 2 hectares. Mais, avec l'argent récupéré, nous avons acheté 6 hectares avec vous à votre banque. Vous voyez, il faut travailler avec la tête. Il faut travailler comme un père de famille. Quand il pense à ses enfants, à la lumière du monde. Demain, Roger Bonien ne sera pas là parce qu'il n'est pas éternel, il va partir. Mais la secte devra continuer à vivre avec des dirigeants, des nouveaux dirigeants, des jeunes que nous devons immédiatement former, mettre à la tâche. Que nous sommes en train de faire. Moi, mon avenir est derrière moi. L'avenir de la secte, toujours devant, et l'avenir des jeunes, toujours devant. De moins en moins, là je suis obligé de parler encore parce que moi-même ça me fait plaisir de parler, de vous parler. Ça me fait plaisir et vous aussi ça me fait plaisir de m'entendre. Et à un moment donné, je n'ai plus rien à dire. Parce que les jeunes qui sont là, avec plaisir, je les regarderai défendre, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous savez, j'aurais pu m'arrêter parce que ce que vous voulez entendre, il a d'habitude, pendant de longues années, tout ce qu'il a dit, c'est moi qui ai développé ça. Et puis bon, je suis un peu. Mon métier fait que j'enroule ça de tellement d'anecdotes que je peux vous parler pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, mais ça viendra. Dans peu de temps, Bagui prendra l'Assemblée à son compte. Et il sera pas seul. À côté de lui, ça ce sont des gens aussi qui ont travaillé pour la secte, des athlètes formés à la secte, qui sont venus travailler. À côté de lui, vous allez pas là, en cherche. Vainqueur de la Ligue des Champions 1998. Il est là. Servi le club, discret, mais important, et je le sais, dans l'appareil. Bon conseiller des jeunes. C'est un bonhomme pratique.
C'est un enfant que j'ai volé au stade et j'ai adopté. J'avoue, je l'ai volé au stade et je l'ai adopté. Et maintenant, il ne sait même plus ce que c'est que le stade. Sa tête est devenue jaune et noire.
Mais rassurez-vous, c'est humain. Quand on a peur, on abandonne la lutte. Mais un actionnaire ne doit avoir peur de rien. Un actionnaire ne doit avoir peur de rien. Quand on touche à cette mimosa, il faut se battre. Parce que la secte Mimosa, les 30 dernières années, et même avant, elle n'avait pas la même époque. Mais la secte Mimosa, aujourd'hui, c'est autre chose. La secte Mimosa, à l'époque, c'était beaucoup plus reposé, beaucoup plus sur les mécènes. Qui apportait la stabilité. Mais à force, cette stabilité a commencé à s'effriter déjà à la fin des années 70. Et les années 80, c'était la pire des périodes. Déjà, vous n'avez pas entendu parler de la période des coups d'État. Eh bien, je peux vous dire que si nous vivions encore dans cette période-là, vous auriez balayé le conseil d'administration depuis longtemps. La SEC perd un match, deux matchs de suite, et le conseil d'administration, le comité central, était encore parti. Impossible. Impossible. C'était impossible. Et à ce moment-là, tout le monde convergeait vers les membres d'honneur, les présidents d'honneur. Président, on ne veut plus de ce président. Messieurs les membres d'honneur, on ne veut plus de ce président. Messieurs, et c'était très chaud cette époque. C'est une histoire que je rappelle, parce que les jeunes, vous revenez à la surface. Mais il faut connaître l'histoire. Je suis rentré au conseil d'administration au comité central en 1980. C'est pas ma venue à la secte. Je suis né dans la secte. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été président de 57 à 60. Les 5 à 0 de l'Africa à Dakar, je l'ai en moi. Parce que le président de la section football à l'époque, et le président du club à l'époque, aujourd'hui, ils doivent se rappeler de nous. Les années 80, coup d'État. Nous mettons en place des statuts. Parce qu'une vie en association et en communauté doit être régie par des textes. Quand je prends la présidence de la SEC, fais les statuts et je vais rencontrer individuellement les membres fondateurs encore vivants, tous ceux qui ont assuré la présidence de la secte avant moi depuis sa création. C'est la raison pour laquelle j'ai refait sortir du grenier des gens qu'on avait complètement oubliés, les fondateurs vivants, lui, moi, Simon Ahmed, Abo Mathieu, le trésorier de l'époque. Je les ai fait ressortir. Et ils n'ont plus. Ils ont eu l'occasion de bénir les ténards présents à ceux qui ont assisté à la télévision en 89. Bénir au début de mandat en 1989. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit. Ils m'ont attaché chez eux. Parce que 30 ans, ça commence à faire beaucoup, vous avez raison. Mais ils m'ont assuré l'esprit. Parce que la SEC avait besoin de pouvoir se construire. Il m'a inspiré le choix des personnes qui devaient me conduire et qui devaient m'aider à construire.
construire cette affaire. Tous les partenaires, tous les frères et les sœurs qui m'ont accompagné au niveau du conseil d'administration. Et puis chaque année, depuis 1990, chaque année, vous publiez les bilans. Hein? Chaque année, publiez les bilans et viennent à l'Assemblée pour discuter. Nous avons construit une maison à DRL. Nous avons, ces derniers temps, mis en place un nouveau cadre juridique de Sénat. Mais déjà, nous avions un cadre que nous avions établi à l'époque avec le président Koné Mamadou, que je vous fais découvrir ici, qui était inconnu du public du Mozart, et que j'amène au conseil d'administration en 2012-2013. Quand je le présente, même Koné Mamadou, tout le monde me dit, mais c'est ce gars-là. Je vous dis, vous en prendrez le coup. Et vous avez appris le coup. Et même Koné Mamadou reste aujourd'hui personne. Un esprit qui a apporté toute sa foi, son intelligence à la secte Mozart. Et le Sénato, c'est que le Sénato incarne, c'est lui. Quand on pense Sénato, on pense Koné Mamadou. Alors qu'avant, il y avait déjà eu des présidents de Sénato. Il a tellement marqué son temps par ses idées que le Sénato avec Koné Mamadou. Moi-même, aujourd'hui, je prends le Sénato. Je réorganise parce qu'il y a une nouvelle donnée. Il y a le numérique qui est intervenu. Il y a un point numérique. La vie est différente de ce qu'elle était avant. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui me dit Roger, fais ça, fais ça, fais ça. C'est même qu'on est dans la vie de nos enfants. Et c'est moi qui suis à la magasin. Parce que, il ne faut pas penser à un seul instant que je suis un génie. Je ne suis pas un génie. Je suis comme vous, chacun de vous. Vous pouvez apporter votre concours. Et aujourd'hui, ceux qui sont à qui on a confié les responsabilités sont capables. Il suffit de donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Et la secte Mimosa ne doit pas reposer sur l'esprit et le savoir-faire d'une personne. C'est une communauté. Évidemment, un chef, et aujourd'hui, pour le moment, le chef, c'est moi. Mais demain, le chef sera quelqu'un d'autre. Mais quand les règles sont établies, il faut protéger le chef. Parce que c'est lui qui en veut la boussole, c'est lui qui donne les indications. Il faut le protéger. Quand l'extérieur attaque le chef, la famille se mobilise. Parce que nous sommes dans un monde où on aime détruire. On aime détruire. Tout ce que l'homme construit, son voisin peut détruire. Regardez, il y a une blague qu'on raconte souvent. Il y a quatre individus qui sont dans un trou. Un Ivoirien, moi, un blanc, un chinois, et puis un blanc. C'est clair, blanc, noir, et un blanc. Rouge, et un blanc. Quatre. Au fur et à mesure, on leur descend encore l'autre collègue. Non, moi, je ne sais pas, les Chinois, ils disaient, les Américains, ils disaient. Oui, ils avaient dans le monde. On leur dit, allez, vous êtes là, vous allez rester ici tout le temps. Alors, d'un coup, on voit les Chinois se mettre ensemble. Ils se parlent. Il y a un qui parle, le bord, là. Je mets là et on la coupe échelle. On la coupe échelle. Et bien, elle touche le sommet et sort. Il part, il coupe une branche, il la renforce, il met dans le trou et tous ses copains. Hein,
dignes, proches et vivants dans leur lisière, préparés, pour qu'ils ont pour manger, pour boire. Ah, les Américains? Non? Qui? Je ne sais pas, trop. Qu'est-ce qu'on fait? Alors eux aussi, ils ont vu les Chinois, et puis, on commence aussi à imaginer, et avec la médias préparés une petite machine, on poussait, un à un, c'est pas la même chose. Et les machines, la couleur pas bon, ça va plus. Donc avec le reste, on met une plume, hop, il faut plus son camarade. Donc, un à un. Vous êtes bien? Ah, ils sont pas loin de l'Américain. Ils sont dans le monde aussi. Ils sont dans le ciel, c'est ça. Il nous reste que nous, les Ivoiriens, les Noirs, dans le monde. Même si nous, vous ne voyez pas qu'il y a des autres. On est seul ici. Ah, les autres, on va tous rester ici. Et, moi, je n'ai pas confiance en vous. Le premier qui va sortir, est-ce qu'il va faire comme le petit chinois qui est parti casser un truc à tout dans la main? Mon cher, restons en même temps ici. C'est mieux, on va pouvoir, on va se débrouiller, on va rester ici, le temps de réfléchir. Pas de confiance. Perte de confiance. La confiance, c'est pas des autres. Vous voyez? Ils sont restés là, ils sont morts les uns après les autres. Les présidents de clubs qui sont ici, les mères présidents de clubs, peut-être pas quand on a des réunions, on va tous mourir. Je ne connais pas ce qui est en train de se passer. On va mourir. Mais moi, je vais mourir après vous. Ça va, je vais ça. Et moi, je vais mourir après vous. Je suis, je me prépare, je fais les choses pour vous. Je ne vais pas mourir en même temps que vous. Ah. Vous voyez les choses, ça va pas, ils ne peuvent pas. Les autres sont en train d'avancer. Aujourd'hui, c'est le VAR, la VAR. Aujourd'hui, c'est la VAR, mais la technologie avance. Les chaussures pour beaucoup, les chaussures que vous aviez avant, les marques. C'était des marques, ce n'était pas des chaussures. Hein? Oui, quand on fait, aujourd'hui vous avez vu les chaussures. La qualité, c'est léger. Vous avez l'impression que vous n'avez rien oublié. La technologie, pas le numérique. Et nous on est là, en train de regarder les gens avancer. Il y a des gens, bêtement, qui sont en train de piller ce qu'on a. Ils attendent que l'État donne des subventions pour l'équipe nationale et tout le monde coupe dessus. Pendant ce temps, il n'y a pas de terrain. On ne sait pas où jouer. Ah, on attend la CAQ. Si on fait des colonies à gauche à droite, au lieu d'aller vivre dans des hôtels qui coupent les jeux de la tête. Faites des économies à ranger tes stades ici, à ranger tes stades. Il y a le stade à l'intimité qu'on vient de fermer aujourd'hui. Mais il y a comment d'accueil. Il y a des stades à gauche à droite, ça va revenir. Donc, de fait, à l'occasion, quand les stades ont été améliorés et construit à l'occasion des étonnants qui sont laissés aujourd'hui à la maison. Mais c'est pas parce que c'est la responsabilité de l'État. C'est vous qui utilisez cet État. Construisez un budget, faites un budget pour pouvoir améliorer l'État. Surtout qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. La FIFA vous donne de l'argent. Aujourd'hui,
c'est que lui. Hein. On va vous couper sur le parc des sports. Vous pouvez le championnat de France.